Et re pour la dernière. Et re pour la dernière partie de Sans Handicap No Stream, alors que ma voix a fait un petit. Bleh. Il a fait un bleh. Voilà, ma voix a fait bleh. Et donc voilà, Skyrim, on continue. Donc infiltration chez le tal. Oh non! Rien à foutre! Rien à foutre de tonton Roquevir. Bonjour. Bonsoir. Vous devriez plutôt être au lit. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Hmm? Il vous faut quelque chose? Ah. Vraiment? Discutons. C'est vous qu'elle a choisi? Bien sûr. J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Écoutez, je peux faire entrer de l'équipement en douce dans l'ambassade. N'apportez rien avec vous. Les Talmor ne plaisantent pas avec la sécurité. Donnez-moi ce dont vous avez absolument besoin, et je ferai en sorte de le cacher dans l'ambassade. Le reste dépend de vous. D'accord. Je ferai entrer ceci à l'intérieur de l'ambassade. Non ! J'y aille. Non, non ! Non ! Non, non, non ! Votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démarré. Merde ! Il vous faut quelque... Vraiment ? Écoutez, je... n'apportez rien avec... Donnez-moi ce dont vous avez absolument besoin, et je ferai en sorte... D'accord. Je ferai entrer ceci à l'intérieur de l'ambassade. Il faut que j'y aille. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve à la soirée. Bah, je crois que c'est tout, hein. Le reste, après, c'est pas dangereux. Bon ! Eh ben, ça va être l'heure d'aller acheter du stuff, hein. Vous devriez plutôt être au lit. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Oui, c'est cool. J'y vais pas à poil, vous êtes fous. Alors, maintenant... Le travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démasqué. Friperie Fantasy, allez, allons-y. Votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démasqué. Oh, quelle chance! Friperie Fantasy propose les plus beaux vêtements. C'est lorsque mes clients perdent leur temps à bavarder sans acheter. J'arrête tout ce que j'ai en cours pour m'occuper de vous. Tiens, bonjour. Oh là là. Si vous comptez aller au Palais Bleu, vous devriez changer de tenue. Alors. On va attendre 11h, oui. Allez. On va s'acheter du stuff. Cet étalage de chair ne nous a... Allez, laissez-moi rentrer. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Bonjour. Oh, qu'avez-vous à vendre ? Robes, culottes, des habits pour toutes les occasions. Alors, il me faut... des bottes classe. Des bottes raffinées. Une paire de bottes raffinées. Un chapeau raffiné. Des gants. Des vêtements raffinés, évidemment. Cela m'iront très bien, merci. Alors, équipons-nous. Enfin. Oh, qu'est-ce qu'on est beau. Qu'est-ce qu'on est beau. Maintenant, l'armurerie. Qu'avons-nous ici? Oh. Intéressant. Ouh. Oh, oh. Trop d'items. Oh, bonjour, bonjour toi. Nous ne prendrons rien dans sa bourse. Par contre, nous devons aller chez le marchand d'armes. Excusez-moi. Allez, salut, hein. À moi que nous ayons. Quand j'étais un jeune garnement. Oui, quand tu étais un jeune garnement, je suis plus vieux que toi, normalement. Un peu d'or pour un vétéran. Ah. Vous n'auriez pas un septime. Oh, merci. Puissent les divins vous bénir. Mais de rien. Je m'intéresse pas. Oh oui, oui, attendez. Mais non, mais non. La bouffe. Bon. Vendeur d'armes.
Le bric-à-brac, allons voir ce qu'il y a dans le bric-à-brac. Bonjour. Bonjour madame. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça le trésor. En armement. Ah non, il me faut de la hache. Vous pouvez revenir au bric-à-brac quand vous voulez. Bon. Bienvenue. Oh, il y a un marteau. Regardez, nous avons... Oh oui, mais il y a plein... Vous pouvez avoir besoin. Attends, attends, qu'est-ce que t'as d'autre chez toi, la raclure? Oh, comme tu n'as rien. Et l'autre côté... Ah non plus. Cassons-nous de là. Allez, salut. Merde. Et dans les sous-sols. Oh. Oh, beaucoup de choses. Ok, on s'en fout. Oh, une armure à bandes. Non. Pas que ça à foutre. Allez, bonne journée, hein. Allez, salut. Hein. Parce que je suis pressé. Faut que je me casse. On s'en fout de son passé de jeune délinquant juvénile, c'est ça. Les breuvages, non, le bric. Entendu. Il y a eu une autre attaque de dragon au bosquet de Kid. C'est cool, Michel. Alors, du poisson, de la bouffe. Bordel. Où est le forgeron? Dites-le moi, je vous en prie. Le forgeron ici. Qu'est-ce que nous avons là? Demeure de qui? Maison d'Edvar, on s'en fout. Là-bas il y a l'université des Bards, là on a Ataf. Ah c'est ça, l'université des Bards est juste là. Maison d'Éricure. Bah merde! Maison de Breeding. L'académie des Bards qui est juste là donc. Pas le temps de niaiser exactement. Non mais s'il vous plaît, laissez-moi accéder à des armes. La nécropole, le retour de la nécropole. Merde. Y'a vraiment pas d'armement ici? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que... Vers bord de ciel. Non, 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 non. Mais non, je voulais pas retourner vers bord de ciel. Bon, après, on sait qu'il y a un passage secret maintenant, mais quand même. Bon. Vous ne semblez pas d'ici. Vous êtes de passage à Solitude. Et ça vous dirait de gagner facilement quelques pièces d'or. Non, non, je m'en fous. Bon, très bien. Le Ragnar pervers, ouais. Bah merde. Ah, il est là-haut. Il est là. Je me souviens maintenant. J'ai pas le temps, mais mon esprit se souvient de là où se trouve le... Le foutu forgeron. L'archerie, on s'en fout. Voilà, lui. Bonjour, monsieur. Les impériaux ont toujours besoin de quelque chose qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. Merveilleux. Si tu as ce qui se fait de mieux en termes d'armes et d'armure... Je t'achèterai donc... cette hache d'acier. Revenez me voir si vous avez besoin d'armes ou de pièces d'armure. Oui, je reviendrai devant. Ne s'éteint jamais. Revenez me voir si vous avez besoin d'armes ou de pièces d'armure. Je suis classe, mais dangereux. Mais classe, mais dangereux. Bon. Ah, faut que je retrouve Delphine aux écuries. D'accord. Allez, go. Ah, mais je suis beau, je suis magnifique là-dedans. Regardez, on dirait le Père Noël. C'est le Père Noël, messieurs, dames. Bref. Allez, salut. Ah, que ça me gratte légèrement. Les mollets. Allô, Abba Jack. Non, pourquoi Skyrim ne répond pas? Il faut que j'ouvre l'œil. C'est... J'ai eu peur, Skyrim ne répondait plus. Un dragon pourrait nous fondre dessus à tout moment. Oui. Un dragon.
Par contre, ça me fait penser que... Non, on va garder comme ça. On va rester comme ça en attendant un petit peu. On va donc aller là où il faut. Dangereux, pas classe, et les... Ah non, mais c'est la classe, là. C'est le Père Noël. Père Noël est une ordure, en un sens. Bon. Les écuries, c'est par là. Bonjour. Bonjour les clodos. Bonjour madame. Avez-vous donné un... Bien. Mais le seul moyen de passer les gardes est de figurer sur la liste. Ce qui veut dire que vous devez en avoir l'air. Je garderai le reste de vos affaires jusqu'à votre retour. Vous n'aurez que ce que... Vous ne pouvez pas aller à la... What? Attends. Ah, il me reste que... Ah non. Mes potions... Ah, c'est bon. Je crois qu'elle m'avait tout pris, non? Exception de l'ambassade du Talmor dans cette tenue. Il faudra se contenter de ça. En route pour l'ambassade. Ne vous inquiétez pas. Contentez. Bonne chance. Allez, je suis à poil. Mais quand je vous dis à poil, c'est que je suis à poil. J'aurais dû lui filer des potions. J'aurais dû lui filer mes potions. Je suis vraiment trop con. J'ai pris que le stuff. Bonjour. Je ne suis pas le seul à arriver en retard à la petite soirée d'Hélène Wren. Je vois qu'on arrive en calèche. Rien de moins. Je vous salue, monsieur. Mon retard est davantage dû au fait que je me suis égaré en train de sur cette montagne isolée qu'à un véritable désir d'arriver après les autres. Ah. Je préfère arriver tôt. Souvent la veille de la fête. Comme ça, je suis sûr de pouvoir boire tout mon sou. Je vous en prie. Bienvenue à l'ambassade du Talmud. Ah, bonjour, sorcier. Votre invitation, je vous prie. Merci, monsieur. Ah. Entrez. Bah, entrons, moi. Tenez, c'est mon invitation. Je n'ai pas de tag empoisonné attaché à ma cuisse, etc., etc. Je ne fais que mon devoir, chef. Tout est en ordre. Bienvenue, chef. Pas une femme pour rien. Cliché ! Je sais pas, c'est marqué sorcier Talmud, donc. Bonjour. Bienvenue. Merci, Hélène Wen. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je suis Hélène Wen. Et vous êtes? Ah oui. Je me souviens avoir vu votre nom sur la liste des invités. Ah voilà. Parlez-moi un peu plus de vous. Quel bon vent vous amène en bord de ciel. Qu'y a-t-il, Malborn? C'est que nous sommes à court de vin alto. Je ne sais pas. Ai-je votre permission pour déboucher cette bouteille de rouge? Naturellement. Je vous ai déjà dit de ne pas m'importuner avec de telles broutilles. Bien, madame Lombard. Cette comparaison n'est pas très juste. Mes excuses. Ah. Nous essaierons de faire plus ample connaissance un peu plus tard. Bien sûr, bien sûr. C'est un agréable moment. Merci, merci. Que puis-je faire pour vous? Ah, vous avez réussi à entrer. Espérons que tout se passera bien. Bien sûr, je vais attendre auprès de la porte, que tout le monde soit distrait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir à boire ici? Vous êtes très perspicace. J'ai une soif formidable que je n'arrive pas à étancher. Ah, merci Razelan. Et aucun des serveurs ne m'attend. Et la peur que je fasse encore du tapage, j'imagine. Il me faut un autre verre. Qu'avez-vous entendu? Avez-vous eu l'occasion d'aller à Rorigo récemment? Même pas les verres. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir... Ah, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous, n'hésitez pas à demander. Ah. Merveilleux. Comme ça... Fais-moi quelque chose. Je voudrais vous remercier de votre générosité immédiate. C'est tout. Reculez. Et admirez le travail. Excusez-moi. Goblet. Merci de vous en préoccuper. Oui, tellement mon camp préféré sur Skyrim. Plus on est impérial, mieux c'est. Votre attention. Puis-je avoir votre attention? Que désirez-vous? Bien sûr. Vite, dépêchons-nous avant que quelqu'un ne nous remarque. Ouais, vas-y, fais. Au sens figuré, bien sûr. Laissez-moi parler. On ne pourrait l'avoir dans son
Pas maintenant. Jusqu'ici, tout va bien. Espérons que personne ne nous a vu nous éclipser. Ouais, ouais. Nous devons traverser la cuisine. Votre équipement est caché dans le garde-manger. Ah, mais bravo, comme jeu. Restez près de moi et laissez-moi parler, d'accord? Suivez-moi. Qui est là, Malborn? Tu sais bien que je n'aime pas les odeurs étranges dans ma cuisine. Un convive qui ne se sent pas bien. Il vaut mieux ne pas s'en occuper. De la visite dans la cuisine? C'est contraire aux règles. C'est génial, hein, que ça va mieux. Au fait, je croyais que c'était interdit de manger du sucre lune. Je devrais peut-être demander à... Sortez, je n'ai rien. Je vais verrouiller la porte derrière vous. Votre équipement se trouve dans ce coffre. Je vous conseille de réussir. Dépêchez-vous. Il faut que je sois de retour avant que l'on ne remarque mon absence. Deux secondes. Me dépêche, je prends du matos pour la suite. Voilà, c'est parti. Merci, putain. Voilà. Pete, si quelqu'un se rend compte que je ne suis pas à la soirée, notre compte est bon. Laissez-moi parler. Pas maintenant. Je dois verrouiller la porte derrière vous. Patrouille se douteront de quelque chose. Je vous laisse à présent. Bonne chance. Ce matin. Qui les envoie? S'agit-il de nouveaux exécuteurs du traité de l'émissaire? Ta ta ta. Wa ta ta ta. 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 Tu tu tu. Oh, j'ai pris tellement de oh, j'ai pris tellement de bouffe. Tu tu tu. Propre de Talmor. Oui, un peu, hein. Ah, je suis obligé de passer par là. Bah, vous savez quoi? Ah, l'assaut! Merde. Ah, merde, attendez. Compétences. Non, non, non. Objet. Non, magie. Comment ça? Ah, je peux pas utiliser. Ok. Bon. Je vais pas aller ici d'abord. Oh, des bottes de Talmor. Oh, ouais. Les bottes de Talmor, les bottes de Talmor qui sont juste des vêtements. Tam padam. Pam padam. Pam padam. Pam padam. Thème de Jack Sparrow pour taper en rythme. C'est ça, Forotangale. Forotangale. Non. Forotangale. Bienvenue sur le stream. Non, mais en fait, je sais pas pourquoi. Ouais, j'étais en mode. Je sais pas, je chantais le thème de Jack Sparrow. Ça avait aucun rapport, mais j'avais envie. Ça collait bien, je trouvais, sur le moment. Je l'avais en tête, et puis... C'était pour taper des soldats. Ah, par contre, du stuff elfique... Putain, du matos elfique, je vous avoue que c'est assez intéressant. Parce qu'en gros, je perds en défense, mais je gagne en charisme. Non, j'ai quand même... Ouais, ça, ça dégage, de toute façon, aucun intérêt. Allez. Escalier. Bonjour. 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 Il y a quelqu'un? Oh, un placard. Ah oui, il y a un petit Leroy. Attendez. Leroy Jenkins. Je sais toujours pas le faire depuis le temps. Leroy Jenkins. Bref. Il n'y a pas un livre qui m'apprend quelque chose sur la vie? Non.
La révolte de Primeterre. Ah, tu me rates le nez. Non plus. Ah, potion de régénération. Ça, de la bouffe. Moult bouffe, moult bouffe. Remoult bouffe. En fait, je suis bien hein, dans l'aventure, là. Potion de régénération, potion de santé. Comment on a ici un banc. Tarte à la fraise. Oh, potion de vigueur concentrée, ça c'est cool. Bref. Faisons fi de ces conneries et cassons-nous. Bon, allons chercher les papes là. La la la. Touloum, touloum. Attendez, petite sauvegarde. Je dois passer par là? D'accord, bon. Par contre, je suis calé comme une merde, voilà. Bon, oh, vous n'auriez jamais... À toi? Allez, à toi! Ah, qu'est-ce qu'on a ici? De l'or. Rien d'intéressant. Où est le dernier? Allez, ta gueule, la suprématie! Ah oui, prendre de la bouffe, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Bon, pénétrons dans l'antre d'Elenwen. Alors, prenons un peu à manger. Et sauvegardons. Ah. Mais j'ai besoin de cet argent. Je l'ai gagné. J'ai mis aussi des dépenses. Silence. Ah merde. Nous avons d'autres informations. Wow. Ah ouais. Mais j'ai besoin de cet argent. Je l'ai gagné. J'ai moi aussi des dépenses. Silence. Ne présumez de rien, j'y suis. Vous êtes... Ah! Je vous couperai. Merde, ok, je vois d'où venaient les problèmes. Hey! Eh ben merci. Oula, clé de la salle interrogatoire. Morceau d'Edard. Tarte aux pommes. Pourquoi pas? Le mec a une tarte aux pommes complète chez lui, sur lui, c'est normal. C'est logique. Bon, le gâteau et le diamant, ça m'intéresse pas. De l'or. Un améthyste. Ouais, de la bouffe. De l'hydromel, pourquoi pas. Une tarte aux pommes, aussi. Moult bouffe. Bref, de la... Ouais, des écailles. Potion de santé. Non, mais on se met bien, là. Franchement, on est bien, on est bien. Le prince des mendiants. Ah, on gagne pas l'éloquence, je pensais. Bon. Rouleau de papier, rouleau de papier, rouleau de papier, rouleau de papier. Oh, les belles dagues. Oh, l'armoire. Le chapeau raffiné, ouais. Potion de vigueur extrême. Crâne de troll. Bah 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 bah. Récit argonien, non, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, une autre gourde. Des vêtements. Encore un crâne de troll. Bonjour, comment allez-vous? Bref. Déverrouiller donjon de l'ambassade du. Ah non, 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 non! Ah. Pourquoi suis-je allé ici? Attendez, c'est là? Il
On n'accepte pas la pitié. Ah, c'est ici, d'accord. Je vous l'ai dit, je ne sais rien d'autre à ce sujet. Vraiment ? Ouais. Venez, j'ai vu les gardes passer par là pour se débarrasser des corps. Pas de problème. Merci de m'avoir sauvé. Y a pas de souci. Tu dois une fière chandelle. Ouais, ouais. Passez me voir à Fayez. Ouais, ouais, on se reverra à Fayez un jour. Non, la grotte de Roland, on s'en fout. Une armure à bande, j'ai déjà. Une tomatos. Rien d'intéressant. Bien le bonsoir, Cantinou. Comment vas-tu? Bon. Alors, avance ça. Ah! Mais laissez-moi descendre. On va commencer par le commencement, le coffre. Parfait. Maintenant, la chambre d'Hélène Wen. Qu'avons-nous ici? De l'or. De la bouffe. De la bouffe, de la bouffe. Jusqu'à 21h, hein, du moins. Je vais pas tarder à arrêter, mais normalement c'est 21h. Waouh. Bref. Ah mais on était ici en fait, je suis con moi. Qu'est-ce que j'avais à faire au niveau de la quête? Mais j'ai trouvé des informations au sujet du retour des dragons. Bah, attendez, inventaire. Ok. Bah échappons-nous, échappons-nous, sauvegarde. Voilà, là, on va sortir, on va se casser. J'espère. Tifiloutube, ça se voit vraiment que tu es l'enfant dragon. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, la sortie, bonjour. Ah non, j'avais pas tout visité, j'avais... Si. J'avais pas visité à l'étage. Ah, ici on avait déjà fait. Il me manquait l'étage. Alors, c'est par où? À gauche. Bonjour. Y'a rien? Ah, petite potion de vigueur extrême. Petite potion de régénération, de la bouffe. Moult bouffe, donnez-moi à manger. Non, pas... Non, je m'en fous. Merci. Elle a pas une petite possession, un petit coffre caché, un quel, je sais pas. De l'or. Bon, le venin givre pierre, on s'en fout. Elle a pas un petit râtelier d'armes. Ah, un petit coffre. Comme on les aime. Avec pas assez d'or au final, mais bon. Potion de régénération, de la bouffe. Ah, un crâne, bonjour, comment ça va? Arrête, bref. Le gâteau. Non, mais le gâteau et le diamant, il y en a déjà deux exemplaires là. Bon. Commençons à courir vers la sortie du quartier. Alors en fait, c'est où qu'ils veulent que j'aille? Par ici. Par où? L'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays, c'est fermé. T'en demandes trop, Jin, là. Oui, oui, c'est ça. Pour augmenter la santé. Moult bouffe. Bonjour. Auriez-vous la clé? Clé de la trappe, clé de la salle inter... grenat aussi. Voilà, go!
à vol. Yo, c'est le... Je trans ça dans un instant, voilà. Bon. Ah, un petit cadavre. Non. La bourse. Non. La sacoche. De l'or, un crochet. La pierre de Barandia, vous allez vous faire. Pourquoi il a cou... Pourquoi il a... Il est déjà parti au loin, machin. Ah, merde. Bon. Ah, c'est la sortie, d'accord. Ouais, vers bord de ciel, on est sorti. Bon. Sauvegarder. Nouvelle sauvegarde. Attendez. Rien ne vous forcer à m'aider. Merci. De rien. De rien, Michel. Et donc, on va retourner au bureau. Et on va s'arrêter ici, en fait. Hein, parce qu'il reste encore la pub et tout. En plus, derrière, la selle d'elle. Mais donc on a déjà passé le Talmor, on a terminé le Talmor, on a été bourrin, on a été tranquille, on a été parfait. Et donc maintenant on va récupérer notre équipement et je sais plus ce qu'on a à faire. Je crois qu'on va commencer à atteindre les égouts à la con là où il y a la guilde des voleurs et en fait il y en a un qui est enfermé. Bref, on verra la prochaine fois, donc rendez-vous lundi prochain pour la suite de Skyrim, rendez-vous mercredi normalement, et ça c'est en exclusivité car je connais le jeu, ça serait du Pass of Exile. Mercredi à partir de 21h, avec un invité surprise, mais c'est à confirmer. Et sinon, donc pour World of Massive Multi, et puis sinon, voilà, je vous dis à très vite. Bonne soirée, restez pour celle d'elle juste après. Des bisous. Et zou.